Sanata, le cuisinier du village. Sanata avait le plus grand restaurant du village. C'était une cuisinière très réputée. Chaque jour, elle préparait de délicieux repas et les gens venaient de loin pour goûter à sa cuisine. La plupart du temps, elle n'avait même pas la place de les faire s'asseoir, mais on voyait ses clients courir partout, laver les assiettes, juste pour goûter à la nourriture. Sa nourriture était très appréciée dans le village. Sanata gagnait beaucoup d'argent. Elle est même devenue la femme la plus riche du village. Tous les jours, on la voyait sourire et cuisiner. En raison de son sourire constant, le village l'a surnommée « Maman Bonheur ». Un soir, un habitant du village l'a vu jeter un sort. Il voulait en informer le villageois, mais il n'avait aucune preuve, car il n'avait pas son téléphone à portée de main au moment où il l'a vu. Le lendemain, il est retourné au même endroit et l'a vu faire la même chose. Il l'a prise en photo et a envoyé la photo à un ami. La photo a commencé à circuler dans le village et elle a fini par arriver jusqu'au roi. Le roi fut très surpris. Il fit venir Sanata et l'interrogea, mais elle ne dit pas un mot. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle avait jeté ce sort, alors il la bannit. Et ce fut la fin de Sanata dans le village. Like et mets un cœur en commentaire.